Le sang que vous venez de voir là, c'est le sang de l'honorable Awa Binta, député uninominal de Dalaba. C'est les forces de l'ordre qui ont tiré sur sa jambe, elle est blessée. Là, nous l'avons transporté à l'hôpital de Ratoma. Et ça s'est passé aujourd'hui pendant la manifestation? Ça s'est passé aujourd'hui, arrivé au niveau de l'héliport, on s'est assis pour dire que vraiment, c'est un mouvement pacifique. Nous venons revendiquer nos droits. Autorisé par la Constitution à son article 10. Donc nous ne sommes pas des violences, nous sommes des femmes, des mères, des épouses. Nous venons réclamer justice, qu'on cesse de tuer nos enfants et que nos enfants partent à l'école pour que ce pays puisse vivre enfin en paix. Madame, on a appris qu'il y a eu beaucoup d'autres femmes qui ont été blessées. Il y a beaucoup de femmes blessées, ils ont frappé. Et je pense que comme le monde est devenu un planétaire, les images en feront foi. Ils ont frappé, ils ont trimballé les femmes par terre parce qu'elles sont juste là pour réclamer leurs droits. Merci madame. La dictature.